Bonjour les tricopines, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce très joli châle. C'est un châle Lumi, c'est le châle Lumi, pardon. Donc vous avez une partie tricot ici en jersey endroit et vous avez la partie point fantaisie ajouré. Vous allez voir, il est très très simple à réaliser. C'est vraiment un châle qui est assez simple, qui ne nécessite aucune difficulté. Donc, pour le réaliser, comme je vous explique dans la partie réalisation, j'ai utilisé une laine qui se tricote en numéro 4, que j'ai tricotée avec des aiguilles numéro 4. Mais en fin de vidéo, comme je vous le dis, vaut mieux, si vous désirez vous le bloquer, utiliser des aiguilles numéro 4,5, de façon à ce que votre tricot soit assez souple pour pouvoir le bloquer, pour pouvoir tirer dessus comme ceci. Moi, j'ai jamais bloqué un ouvrage, les tricopines, donc moi, j'ai tendance à repasser, parce que j'aime bien quand les châles ont une certaine souplesse. Donc ça, c'est du 100% acrylique, et je l'ai repassé. En général, l'acrylique, on ne le repasse pas, parce que ça s'aplatit, mais pour le châle, c'est pas très gênant, les tricopines. Regardez, vous voyez, nous avons quand même une belle souplesse. Voilà les tricopines, vous allez voir qu'il est très très simple à réaliser. Ne vous découragez pas, ne vous dites pas « Oh là là, c'est trop compliqué, je ne pourrai pas y arriver ». Vous allez voir, très très simple à faire. Je vous montre la grille, les grilles, voilà. Nous avons une, deux, trois grilles. Ce sont quasiment, regardez, les mêmes rangs qu'on répète, c'est toujours la même chose. Aucune difficulté, et au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous allez voir, vous allez apprendre même par cœur, vous n'aurez même plus besoin de suivre ces grilles, les tricopines. Donc, vous voyez, très très simple. Je vous explique comment vous pouvez l'agrandir si vous, vous désirez le faire beaucoup plus grand que le mien, parce que moi j'ai 148 cm de largeur. Donc en vidéo, là, c'est pas évident de vous montrer la totalité du châle. J'ai donc, en prenant la première partie ici, regardez, j'ai 74 cm plus 74 de ce côté-ci, ça me fait 178 si je ne me trompe pas. Et en longueur, là, ou en hauteur, j'ai entre 78 et 79 cm. Si vous désirez le réaliser avec le même nombre de mailles que moi. Voilà notre point fantaisie. Ce sont des feuilles, les tricopines. Vraiment rien de particulièrement compliqué. Regardez. C'est vraiment, vous allez voir, c'est répétitif. C'est très, très simple. Et accessible même aux débutantes. J'espère que j'ai été à la hauteur pour bien vous expliquer comment le réaliser. Voilà les tricopines. Donc, aiguille numéro 4,5 du coup, si vous désirez le bloquer, sans quoi 4. Vous pouvez choisir les laines de votre choix. Alors, pour ce genre de châle, les tricopines, vous pouvez utiliser les laines de votre choix. Vous pouvez utiliser du mohair, de la soie, des grosses laines comme moi, voilà, du coton. Vous utilisez ce que vous désirez. Et après, comme je vous explique comment l'agrandir, et en fonction de votre laine, vous pouvez agrandir votre châle comme vous le souhaitez. Voilà les tricopines, nous allons pouvoir passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre châle Lumi, les tricopines, donc moi j'ai commencé à tricoter la partie tricot, c'est-à-dire la partie jersey en droit, et je vais vous expliquer comment vous allez le faire, et la partie dentelle, nous allons le faire ensemble. Alors, vous allez prendre vos aiguilles. Donc l'idéal, c'est vraiment les aiguilles circulaires, les tricopines. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, prenez des longues aiguilles, parce que vous allez voir que vous allez avoir un nombre de mailles assez importante. Donc vous allez monter 3 mailles. Et ces 3 mailles, nous allons les tricoter pendant à peu près 7-8 rangs.
Donc, vous tricotez comme ceci à l'endroit, ces trois mailles, toujours à l'endroit, pendant à peu près 12 rangs, que je ne dise pas de bêtises, ou un petit peu moins, de façon à ce que nous puissions relever les mailles sur le côté. J'ai un problème avec ma caméra. Donc, trois mailles. Et vous allez continuer de façon à ce que nous puissions relever trois mailles de ce côté-ci. Décidément, voilà. Alors, la laine que j'ai n'est absolument pas adaptée aux aiguilles, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à tricoter. Mais vous, bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez comme laine. On va tricoter encore. Donc, vous tricotez de façon à ce que vous puissiez relever trois mailles sur le côté gauche. Regardez. Je vais tricoter encore une fois. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Je vais essayer de mettre une couverture un petit peu plus foncé de façon à ce que vous puissiez voir ce que je vais faire. Voilà. Alors, soit à l'aide d'un crochet, les tricopines, soit à l'aide de votre aiguille. Donc, regardez, vous tricotez vos trois mailles. Comme ceci. Maintenant, sur ce côté-ci, regardez, nous allons relever trois mailles. Alors, avec l'aide d'un crochet, c'est encore mieux. Ou alors, regardez, vous pouvez vous aider de votre aiguille. Voilà, vous relevez une maille et vous la tricotez. Vous relevez une maille, voilà, tricotez. Regardez comme ceci. Sur les côtés, vous relevez une maille, voilà, tricotez. Maintenant, nous allons relever trois mailles sur la partie où nous avons commencé. Et vous allez faire exactement la même chose. Regardez, pardon. Avec votre aiguille, vous piquez dans l'espace, comme ceci, et vous tricotez. Au total, on doit avoir 9 mailles. Vous piquez comme ceci, regardez, entre vos mailles, comme vous pouvez, et vous relevez une maille. Et pour finir, tout au bout ici, regardez, ici au bout, voilà, et on la tricote. Nous avons 9 mailles, regardez, sur notre aiguille. Maintenant, on tourne et nous sommes sur l'envers. J'ai une maille qui est partie. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais recommencer. 6, 7. Je vais relever donc une maille. Vous piquez comme ceci dans l'espace, les tricopines. Regardez, entre vos mailles, pour le bas, donc, et vous tricotez. Et on va relever une maille, donc ici à la pointe,
Et c'est celle-là qui me pose un problème. Normalement, c'est très très simple, les tricopines, mais moi, avec la caméra, la table, c'est pas très facile. Voilà, donc j'ai au total 9 mailles. Ici, nous sommes sur l'envers, nos 3 mailles de bordure à l'endroit. Je tricote ma première maille, deuxième, troisième maille. Je passe mon fil face à moi et toutes les 3 mailles qui suivent, je les tricote à l'envers. Et les 3 dernières mailles à l'endroit. Je tourne, je suis sur l'endroit et nous allons commencer à faire nos augmentations. Donc, alors la première maille, soit vous la tricotez, soit vous ne la tricotez pas, ça n'a pas d'importance. Donc, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Celle-ci, c'est notre maille centrale des tricopines. Nous allons toujours donc faire une augmentation de chaque côté de cette maille centrale. Vous pouvez la marquer avec un anneau marqueur. Donc, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et nos 3 mailles de bordure. Donc, notre maille centrale, regardez, c'est celle-ci. Vous voyez, donc toujours un jeté de chaque côté de cette maille centrale et un jeté après nos 3 mailles de bordure. Et là, avant nos 3 mailles de bordure, c'est ce qui va permettre à notre châle de s'élargir. Donc sur l'envers, une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos 3 mailles de bordure à l'endroit. Une, deux, nos jetés, nous les tricotons à l'envers. 3, 4, 5, 6. Nous avons tricoté 7 mailles à l'envers, ainsi que nos jetés, et nos 3 dernières mailles à l'endroit. Donc pendant tout le long de notre châle, nos 3 mailles de bordure, en début et à la fin, vont être tricotées à l'endroit. Donc, je suis de nouveau sur l'endroit et je continue mes augmentations. 3 mailles à l'endroit, un jeté. Et maintenant, regardez. 1, 2, 3 mailles. Je tricote 3 mailles, ma maille centrale est là. Vous pouvez très bien placer un anneau marqueur avant et après votre maille centrale. Comme ça, vous savez que arrivé au niveau de votre maille centrale, un jeté, votre maille centrale, un jeté, et vous allez tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, et 3 mailles de bordure. De toute façon, votre maille centrale, tout à l'heure, vous allez bien la voir au fur et à mesure que vous allez tricoter nos 3 mailles de bordure à l'endroit. Toutes nos mailles ainsi que nos jetés à l'envers. Donc sur l'envers, hormis nos mailles de bordure, toutes les mailles se tricotent à l'envers. Regardez, notre jeté, on tricote à l'envers aussi parce qu'on veut avoir des points ajourés, des trous, si vous préférez. Et regardez, je passe mon fil derrière et mes 3 mailles de bordure à l'endroit. Je vous montre encore une fois. Nous avons 3 mailles de bordure, un jeté. Et nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté. Regardez, notre maille centrale commence à bien se dessiner.
Donc un jeté avant, notre maille centrale, un jeté et je tricote jusqu'à mes 3 mailles de bordure à l'endroit. Un jeté et mes 3 mailles de bordure. Je tourne donc les mailles, les rangs en vert, pardon. Nous les donc hormis nos 3 mailles de bordure, tout le reste à l'envers. Je vais vous montrer encore une fois pour nos augmentations. On tricote toutes nos mailles à l'envers ainsi que nos jetés. Et mes 3 mailles de bordure à l'endroit. Je continue. Donc je suis sur l'endroit et je continue donc 3 mailles de bordure à l'endroit. Un jeté et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, un jeté. Vous voyez notre maille centrale? Une maille à l'endroit, un jeté. Et on tricote 7 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi les tricotines jusqu'à la largeur que vous souhaitez et la hauteur que vous souhaitez. Je vais vous expliquer. Donc, voilà. Donc, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles de bordure à l'endroit et tout le reste à l'envers. Sachez qu'à chaque fois que vous avez fait des augmentations et que vous êtes sur l'endroit, vous avez 2 mailles supplémentaires ici, regardez, de chaque côté. Donc, comme je vous l'ai dit, les châles se font en 2 parties. C'est-à-dire que nous avons la partie 1 et la partie 2. C'est pour ça que nous avons cette maille centrale au milieu qui est très importante. Donc, vous allez continuer. Donc, je vous avais dit que ce sont des multiples de 10 plus 5. C'est-à-dire, on ne compte pas les 3 mailles de bordure. Vous enlevez vos 3 mailles de bordure et donc 3 mailles de bordure de chaque côté et votre maille centrale, ça vous fait 7 mailles en moins. Donc, il faut que vous ayez des multiples de 10 plus 5. Regardez, ici on nous dit 157 mailles. Moi j'ai fait beaucoup plus que ça. Alors 157 mailles en comptant les 3 mailles de bordure de chaque côté et la maille centrale. Si nous enlevons ces 7 mailles, ça nous fait 150 mailles. 150 mailles que nous divisons par 2, ça fait 75 mailles d'un côté. Regardez, on ne compte pas nos mailles de bordure, nous avons 75 mailles tricotées à l'endroit ici, on ne compte pas notre maille centrale et nous avons 75 mailles tricotées en jersey endroit ici et nos 3 mailles de bordure. Une fois que au total, si vous voulez compter avec vos mailles de bordure, 157 mailles, nous sommes à la longueur, à la largeur qui est marquée ici, regardez, dans le modèle de base. Moi, comme je trouve que c'est pas assez long les tricopines, j'ai fait un peu plus. C'est-à-dire, je vais vous dire combien j'ai fait et regardez comment je compte. Ma maille centrale, je ne la compte pas. Et je compte deux par deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ce qui me fait 90 plus 1, 2, 3, 4, 5. Je ne compte pas mes mailles de bordure, je suis à 95 mailles pour une partie, plus 95 pour l'autre, ce qui me fait 95 plus 95, 180, 190 mailles.
190, soit 197 mailles avec mes 6 mailles de bordure et ma maille centrale. Vous pouvez, si vous désirez, l'agrandir, l'élargir encore plus les tricopines pour avoir un châle beaucoup, beaucoup plus grand. Et tout dépend aussi de la laine que vous utilisez. Moi, j'ai utilisé une grosse laine, enfin une grosse laine. Donc, une laine que j'ai tricotée avec des aiguilles numéro 4. Avec des aiguilles numéro 4. Donc, si vous utilisez, par exemple, une laine fine comme celle-ci et que vous respectez les 157 mailles, vous aurez vraiment un petit châle. Et moi, j'aime bien quand ils sont bien, bien enveloppants et bien grands. Maintenant, nous allons passer à la carte. Alors, je vais enlever cette couverture parce que la couleur que j'ai choisie est un petit peu foncée. Donc, une fois que nous avons terminé, fait la largeur que nous désirons, donc j'ai dit bien des multiples de 10 plus 5 pour chaque côté de notre châle. Nous avons regardé la première partie, deuxième partie, qui se tricotent en même temps sans aucun problème les tricotes. C'est parce que vous allez voir que quand nous allons lire la grille, en général, les grilles pour ce genre de châle, les tricopines, s'arrêtent toujours à la maille centrale. Regardez. S'arrêtent toujours à la maille centrale de façon à ce que vous puissiez, une fois que vous avez terminé la première partie, vous reprenez votre carte à partir, regardez, pas à partir de vos points, pas à partir de vos trois mailles de lisière. Donc vous reprenez votre carte après vos mailles, vos trois mailles de bordure pour la partie 2 aussi. Mais nous allons le faire ensemble, les tricopines. Regardez, vous voyez, il est vraiment très simple à faire. Nous avons juste des augmentations, des mailles ensemble, rien de compliqué. Ici, nous avons trois mailles ensemble, donc un surjet double. Et puis, nous avons ici, mais ça, on va l'utiliser à la fin, faire une maille, et tout ça c'est M1 je crois, et tout ça je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer par la carte 1. Donc je vous la mets comme ça, si vous désirez la prendre en photo, vous pouvez aller sur Ravelry, Châle Lumi, et vous avez aussi la carte. Alors, on va commencer avec, regardez, ma carte se présente ainsi. Ce sont mes trois mailles de bordure. La partie en gris, il n'y a pas de maille. Ça, vous faites comme s'il y avait, voilà, vous tenez pas compte de cette partie. Et on va commencer après à faire, regardez, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté. La partie qui est entourée en gras ici, c'est la partie que nous allons répéter plusieurs fois, c'est-à-dire autant de fois que nous avons élargi notre châle. C'est-à-dire, alors, je vous montre, on commence. Nous allons faire trois mailles à l'endroit. Donc, nos trois mailles de bordure. Vous voyez, trois mailles de bordure. Nous avons un jeté. Et ici, nous avons, alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Non. Nous avons deux mailles ensemble vers la droite, comme ceci, regardez. Deux mailles ensemble. Un jeté. Maintenant, nous sommes dans la partie où nous allons répéter plusieurs fois, c'est-à-dire une maille à l'endroit, un jeté. Nous allons faire un surjet simple. Un surjet simple, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Nous allons faire 2 mailles ensemble. Un jeté. Et maintenant, je reprends ma carte ici, la partie en gras. C'est-à-dire une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Un surjet simple, les tricopines, pardon, je ne vous ai pas expliqué. Voilà. Donc,
un jeté, un surjet simple, on fait glisser la première maille sans tricoter, on tricote la deuxième maille qui suit et on fait passer la maille que nous avons glissée par-dessus la maille tricotée. Nous avons un surjet simple, c'est-à-dire c'est une diminution, donc on fait deux mailles vers la gauche. Je tricote 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté. Et je reprends, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, là c'est la troisième fois que je répète, 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles donc vers la droite, un jeté. Je répète pour la quatrième fois, donc vous répétez autant de fois que vous avez fait 10 mailles supplémentaires, donc pour ma part ça va être 9 fois. Parce que j'ai 95 mailles de chaque côté. Donc, un surjet simple. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Voilà. Un jeté, une maille à l'endroit. Donc, je reprends. Une maille à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, comme ceci. Un jeté et je répète, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et je vais faire un jeté et je reprends. Donc, vous allez toujours répéter cette partie jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles avant votre maille lisière. Ici, regardez, ça peut être un repère pour vous. Vous ne comptez pas votre maille centrale. Une fois qu'il va vous rester 1, 2, 3 mailles, c'est que vous avez répété donc plusieurs fois cette partie-là. Donc, que je fasse pas. Voilà. Un jeté, une maille à l'endroit pour moi, donc et je recommence, un jeté, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, faites très très attention de ne pas vous tromper les tricopines, 2 mailles ensemble et un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, c'est très simple, vous voyez, c'est répétitif. Donc, un surjet simple, 5 mailles, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Et je reprends, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté. Et je reprends pour la dernière fois. Un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Si je ne me suis pas trompée les copines, je dois terminer, regardez, avant ma maille centrale avec 3 mailles, donc je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3 mailles. Maintenant, quand nous avons répété plusieurs fois donc cette partie-là, regardez, on passe à la partie ici. Un jeté, une maille à l'endroit, donc les cases vides, ce sont des mailles à l'endroit. Un jeté et j'ai un surjet simple. Un surjet simple, là, et un jeté. Et regardez, je suis au niveau de ma maille centrale et je tricote ma maille centrale. Une fois que vous avez tricoté, regardez, ici, c'est votre maille centrale, vous allez reprendre ici. Vous voyez, là. Parce que nos mailles de bordure, on ne les tricote pas, on passe ici. Et qu'est-ce qu'on a? Un jeté,
deux mailles ensemble, ajouter donc deux mailles ensemble, ajouter, et maintenant vous allez répéter la partie une maille à l'endroit, ajouter. On va le faire encore une fois, une maille à l'endroit, ajouter. Un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble et on termine, regardez, avec un jeté. Et maintenant, vous allez répéter cette partie autant de fois que vous avez monté 2 mailles, c'est-à-dire si vous avez fait 75 mailles, je parle bien pour un seul côté les tricotines, si vous avez fait 75 mailles, vous répétez 7 fois, si vous avez fait 85 mailles, vous répétez 8 fois, si vous avez fait 95 mailles, vous répétez 9 fois cette partie. Vous répétez et on termine exactement de la même façon. Vous terminez, donc une fois que vous avez répété plusieurs fois cette partie, vous terminez avec une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, un jeté et vos 3 mailles de bordure. Vos 3 mailles de bordure ici à la fin, une fois que vous avez terminé. Sur l'envers, c'est le deuxième rang, les tricotines. Hormis nos 3 mailles de bordure de chaque côté, tout le reste, vous allez tricoter à l'envers. Et nous, on va se retrouver au troisième rang. Donc ici, on nous dit 73, 75 rangs, 77e rang, parce que donc dans le schéma, ils ont compté toutes les augmentations que nous avons faites. Ici, toute la partie en jersey endroit que nous avons tricoté, eux, ils ont compté. Moi, comme j'en ai fait beaucoup plus, je n'ai pas compté. Donc moi, je reprends à... Le premier rang de notre point dentelle, moi je dis le rang 1. Le rang 2, c'est le rang envers, où on tricote toutes nos mailles à l'envers, sauf nos mailles de bordure. Et je reprends donc le 75e rang qui est marqué ici. Si vous suivez les schémas, moi, c'est mon troisième rang, les tricopines. Donc, on va se retrouver au troisième rang pour continuer notre point fantaisie. Nous sommes à notre troisième rang et on regarde. Donc, nous allons tricoter nos 3 mailles de bordure. Nous allons faire un jeté. Et regardez, nous avons un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Donc, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté. Un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté. Maintenant, nous sommes dans la partie que nous devons répéter donc plusieurs fois. Et c'est une maille à l'endroit, un jeté. Un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit et un jeté. Nous avons répété une fois. Maintenant, nous allons répéter une deuxième fois. 1 maille à l'endroit, un jeté. 1 maille à l'endroit, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit et 1 jeté. Vous avez vu les tricopines, c'est tellement répétitif et très simple en même temps qu'on apprend par cœur. Donc je répète encore, 1 maille à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit et un jeté. Et je recommence, 1 maille à l'endroit, un jeté, 1 maille à l'endroit, un surjet simple. 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit,
deux mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté. Vous allez continuer ainsi les tricopines jusqu'à ce qu'il vous reste 1, 2, 4 mailles. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il va vous rester 4 mailles avant votre maille centrale. Nous avons la maille centrale ici. Regardez, 1, 2, 3, 4. Dès qu'il nous reste 4 mailles, on se retrouve. Je suis arrivée, regardez, au niveau donc de ma maille lisière, il me reste 1, 2, 3, 4 mailles. Donc si vous ne vous êtes pas trompé, il doit vous rester 4 mailles. Et ces 4 mailles, donc nous allons faire une maille à l'endroit, un jeté. Un jeté, un surjet simple et un jeté. Et nous avons, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis là, l'erreur, elle est là, les tricopines, pardon. Donc, nous avons une maille à l'endroit, un jeté. Tout de suite après, une maille à l'endroit et un surjet simple. Voilà, et maintenant, nous avons un jeté et notre maille centrale. Et juste après, donc, on reprend ici. Donc, un jeté, deux mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté. Et maintenant, la partie que nous répétons plusieurs fois, donc pour moi c'est 9 fois, pour vous, donc tout dépendra de la largeur de l'écharpe, du châle que vous souhaitez avoir. Donc, une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet simple, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté. Donc vous allez répéter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles avant vos 3 mailles de bordure. Donc vous continuez ainsi jusqu'à ce qu'il va vous rester 4 mailles. Donc, une fois qu'il va vous rester 4 mailles avant vos 3 mailles de bordure, soit au total, il va vous rester 7 mailles, si vous préférez les tricopines. Donc, vous allez faire une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté, 3 mailles de bordure. Vous tournez, nous sommes sur l'envers, nous sommes au quatrième rang. Le quatrième rang, vous allez tricoter vos mailles de bordure à l'endroit et toutes vos autres mailles, vous allez les tricoter à l'envers, les tricopines. Et on va se retrouver donc un autre cinquième rang pour la suite. Notre cinquième rang, donc nos 3 mailles de bordure à l'endroit, un jeté. Et on regarde, nous avons donc un jeté, 2 mailles ensemble. Et 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Maintenant, nous passons à la partie que nous répétons plusieurs fois. Nous avons une maille à l'endroit, un jeté. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit et un jeté. Et je reprends une maille à l'endroit. Donc je reprends la partie qui est en gras ici. Une maille à l'endroit, un jeté. 2 mailles à l'endroit, un surjet simple. 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit, un jeté. Je vous montre une troisième fois, donc la partie à répéter. Une maille à l'endroit, un jeté. 2 mailles à l'endroit, un surjet simple.
une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Deux mailles à l'endroit, un jeté. Vous allez continuer ainsi les tricopines jusqu'à ce qu'il vous reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles avant votre maille centrale. C'est-à-dire, vous avez votre maille centrale qui est ici. Vous ne la comptez pas. Et une fois qu'il vous reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles, on se retrouve donc pour voir comment nous allons tricoter ces 5 mailles. Donc jusqu'à ces 5 mailles, vous répétez à chaque fois la partie que nous venons de faire. Je suis arrivée, regardez, donc j'ai fait mon jeté et il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles avant ma maille centrale. Et maintenant, donc, je vais faire une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, une, deux mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et ma maille centrale. Et je reprends ici, regardez, après, ici nous avons nos trois mailles de bordure, donc je reprends après nos trois mailles de bordure, donc un jeté, deux mailles ensemble. Deux mailles à l'endroit, une, deux mailles à l'endroit, un jeté, et maintenant la partie que nous allons répéter donc plusieurs fois, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, une, deux mailles à l'endroit et un jeté. Donc vous allez répéter autant de fois que nécessaire les tricopines jusqu'à ce qu'il va vous rester 8 mailles. Donc quand je dis 8 mailles, c'est avec les mailles de bordure, comme ça, ça va être plus simple. Donc vous continuez ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles. Et une fois qu'il va vous rester 8 mailles, donc vous allez faire une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et vos trois mailles de bordure. Et vos trois mailles de bordure. Une fois que vous avez terminé le sixième rang, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos mailles de bordure de chaque côté à l'endroit. Et on va se retrouver, donc nous, pour la deuxième grille, celle-ci, donc pour notre septième rang. Le septième rang, les tricopines, nous allons donc répéter, nous avons six rangs, regardez, nous avons trois rangs qui sont représentés ici et les trois autres rangs correspondent à l'envers du travail. Donc, ces six rangs, donc la grille numéro 2 va être répétée six fois. Six fois. Si vous la voulez encore plus longue, vous pouvez la répéter 12 fois. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, mais je pense que d'après les calculs, il faut répéter donc 6 fois, 12 fois, 18 fois et ainsi de suite. Et non, par exemple, 8 fois, parce qu'après, ça sera, le motif ne sera pas juste. Donc, faut faire des multiples de 6 à chaque fois si vous voulez le faire un peu plus grand. Donc, moi, je ne sais pas pour l'instant. Je verrai au fur et à mesure que je tricote, parce que comme vous pouvez le voir, cette partie, je le fais vraiment avec vous. Donc, je verrai si je le veux plus long. Donc, je répéterai encore après 6 fois, ces 6 rangs. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, nous avons nos 3 mailles de bordure. Nous avons un jeté et là, regardez, nous avons un V. Ce V correspond au M1, c'est-à-dire que nous allons faire une maille. C'est-à-dire, nous allons créer une nouvelle maille. Donc, c'est ce qui va permettre à notre châle d'avoir, regardez là, je pense avoir 9 feuilles. Je ne vais pas compter, mais je vais compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 feuilles, pardon. Et là, je vais me retrouver, 9 plus celle-ci, donc 10. Et je vais me retrouver au fur et à mesure avec une nouvelle feuille. Donc, c'est pour ça que nous faisons cette maille ici, regardez. J'espère que vous voyez. Donc, ce V correspond à ça, et je vous montre. Donc, regardez, nos trois mailles de lisière, de bordure. Un jeté. Et là, regardez,
ici, dans le vide ici. Donc, nous allons relever une maille, comme ceci, regardez. Et nous la tricotons. Et nous avons fait une nouvelle maille. Et juste après, on fait un jeté. Ça va être notre future feuille. Et maintenant, je continue. Donc, la partie que nous répétons, donc en gras, il me dit une maille à l'endroit, un jeté. Et un surjet simple. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles à l'endroit. Et deux mailles ensemble. Deux mailles ensemble. Un jeté. Et je reprends. Regardez. Ici, donc on est en train de refermer ces feuilles et de faire de nouvelles feuilles ici au centre. Donc un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles, un surjet simple, pardon, cinq mailles à l'endroit, une, deux, trois, quatre, cinq mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, et on reprend. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, cinq mailles à l'endroit, une, deux, trois, quatre, cinq mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté. Et je continue, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 jeté. Vous allez continuer ainsi les tricopines jusqu'à votre maille centrale. C'est-à-dire, vous continuez à tricoter et il va vous rester donc aucune maille. Vous aurez juste votre maille centrale ici. Et on va se retrouver à ce niveau-là pour donc faire la suite. Donc les tricopines, je vous ai dit jusqu'à ce qu'il ne vous reste aucune maille avant votre maille centrale. Non, ce n'est pas vrai. Il doit nous rester une maille. Regardez. Une fois que vous avez fait une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, cinq mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté. Il vous reste une maille et votre maille lisière. Et votre maille centrale, pardon. Donc, il vous reste une maille. On tricote donc une maille à l'endroit, un jeté. Et on refait la même chose. Regardez. Soit on relève une maille ici, soit... Alors là, c'est un peu plus compliqué quand on a fait un jeté, donc c'est pas grave. On va relever une maille ici, comme ceci. Et nous allons la tricoter de façon à ce que ça ne forme pas de trous. Regardez. Par derrière comme ceci et on fait un jeté et on tricote notre maille centrale. On reprend notre septième rang après nos trois mailles de bordure. Donc qu'est-ce que nous avons? Qu'avons-nous? Un jeté. C'est donc un jeté. Donc après notre maille centrale, un jeté. On va faire encore une nouvelle maille. Regardez, on essaye tant bien que mal ici de relever une maille comme ceci, et pour ne pas que cette maille forme un trou, on la tricote par derrière comme ceci et on fait un jeté. Et maintenant on continue donc à tricoter la partie en gras. Donc une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté.
et on reprend notre, donc, notre grille là dans la partie en gras. On la reprend au début autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles les tricopines, 4 mailles avec nos mailles de bordure. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il va vous rester 4 mailles sur votre aiguille et on va se retrouver donc au bout. Je suis à la fin du 7e rang, donc il me reste 1, 2, 3, 4 mailles. Donc je tricote une maille à l'endroit et je vais donc faire un jeté. Je vais relever une maille. Regardez, comme vous pouvez ici, en bas de la maille, regardez, vous relevez une maille, vous la glissez sur votre aiguille. Vous la tricotez par derrière de façon à ce que ça ne soit pas un point ajouré, c'est-à-dire un trou, mais une maille. On fait un jeté et on termine avec nos 3 mailles lisières. Le 8e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 3 mailles de bordure. Et on va se retrouver au 9e rang. Le 9e rang, nous avons regardé nos 3 mailles de bordure. Mailles de bordure. Nous avons un jeté et 2 mailles ensemble. Donc un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et un jeté. Et maintenant on prend la partie en gras que nous allons répéter plusieurs fois et j'ai une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et un jeté. Je répète encore une fois. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et un jeté. Et vous allez donc répéter ce qui est en gras ici, c'est-à-dire une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, jusqu'à ce qu'il vous reste 1, 2, 3, 4 mailles. Jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles avant votre maille centrale. Donc, et je vais vous expliquer ce que vous allez faire une fois qu'il va vous rester 4 mailles. Donc, vous faites votre grille, ici la partie que nous répétons. Une fois que vous avez fait donc votre dernier jeté ici, vous allez tricoter une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté, votre maille centrale. Et vous allez reprendre... Ici, regardez, après vos 3 mailles de bordure, vous allez faire un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté. Et vous allez répéter la partie ici en gras, c'est-à-dire une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté. Vous allez continuer, donc répéter plusieurs fois cette partie jusqu'à ce qu'il vous reste 1, 2, 3, 4 mailles. Une fois qu'il va vous rester 4 plus vos 3 mailles de bordure, donc une fois qu'il va vous rester 7 mailles, vous allez faire. Donc, vous terminez la partie qui est en gras. Donc, une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet simple, un jeté et vos 3 mailles de bordure. Le 10e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 3 mailles de bordure. Et on va se retrouver au 11e rang.
Nous sommes à notre 11e rang. Donc, en même temps, c'est notre dernier rang pour la grille numéro 2. Mais nous allons le répéter encore plusieurs fois. Donc, nos 3 mailles de bordure. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai un jeté, deux mailles ensemble. Une, deux mailles à l'endroit, un jeté. Et maintenant, la partie que nous répétons plusieurs fois, c'est-à-dire une maille à l'endroit, un jeté. Deux mailles à l'endroit, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, deux mailles à l'endroit et un jeté. Et je recommence, une maille à l'endroit, un jeté, une, deux mailles à l'endroit, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, une, deux mailles à l'endroit et un jeté. Donc vous allez continuer ainsi. Regardez les tricopines, nous avons nos feuilles qui sont très bien formées ici. Donc nous allons continuer notre 11e rang ainsi. Donc vous allez répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il va vous rester 1, 2, 3, 5 mailles avant votre maille centrale. Avant votre maille centrale, où est-elle? Voilà. Avant votre maille centrale, qui est ici, il va vous rester 5 mailles. 5 mailles. Et ces 5 mailles, vous allez les tricoter. Donc, une maille à l'endroit. Vous allez faire un jeté. Deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble et un jeté. Vous allez tricoter votre maille centrale, vous allez faire un jeté. Et vous allez reprendre donc ici. Un jeté, deux mailles ensemble. Deux mailles à l'endroit, un jeté. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Donc, votre maille centrale, un jeté. Deux mailles ensemble, deux mailles à l'endroit. Vous allez faire un jeté et vous allez reprendre la partie ici en gras que je vais vous répéter encore une fois. Une maille à l'endroit, un jeté. Deux mailles à l'endroit, un surjet simple, une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble, deux mailles à l'endroit, un jeté. Vous allez répéter jusqu'à ce qu'il vous reste encore 8 mailles à la fin. Donc à la fin de votre châle, il va vous rester 8 mailles avec vos mailles, vos 3 mailles de bordure. Donc ces 8 mailles, vous allez tricoter. Une fois que vous avez terminé la partie en gras, vous allez faire une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et vos 3 mailles de bordure. Le 12e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter vos 6 mailles de bordure à l'endroit et de chaque côté, 3 mailles de chaque côté, donc 6 mailles de bordure à l'endroit et toutes vos autres mailles, vous allez les tricoter à l'envers. Une fois que vous avez terminé, vous allez reprendre au rang numéro 7. Donc vous reprenez la vidéo au rang numéro 7 et vous allez refaire la même chose. C'est-à-dire ici, regardez, nous avons relevé des mailles. Donc à chaque fois, vous allez avoir donc ces mailles à relever et vous allez donc faire ces 12 rangs encore une fois. Une fois que vous avez terminé, vous allez reprendre au rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 12 pour la troisième fois. Vous allez répéter une quatrième, une cinquième et une sixième fois. Donc 6 fois. Et après, donc moi je vais le faire de mon côté aussi, et après je reprends la vidéo pour voir si on continue encore ces
6 rangs du rang numéro 7 au rang numéro 12. Encore, si je répète encore 6 fois ou pas. Dans un premier temps, répétez 6 fois. On l'a fait ensemble une fois, vous allez répéter encore 5 fois et on se retrouve pour voir comment on continue. Voilà les tricopines, j'ai répété. Donc, je vous avais dit que du rang numéro 7 au rang numéro 11, on répétait donc 6 fois. Moi, j'ai répété en tout 11 fois, c'est-à-dire, je l'ai fait une fois, donc je vous ai expliqué, deux fois, trois fois, quatre fois, donc toujours ces trois lignes qui correspondent à 6 rangées avec l'envers. Donc, je l'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Après, j'ai répété encore 1, 2, 3, 4, 5 fois cette partie-là des tricopines. Vous voyez cette partie. Maintenant, on va faire donc la carte ou la grille numéro 3, celle qui correspond aux finitions. C'est-à-dire, vous allez tricoter exactement, regardez, comme le rang numéro 7. Vous allez tricoter comme le rang numéro 7. Vous allez tricoter le rang numéro 8 qui correspond à l'envers. Vous allez tricoter le rang numéro 9, le rang qui est donc sur l'endroit. Vous allez tricoter le rang numéro 10. Vous allez tricoter le rang numéro 11. Regardez, c'est celui-ci. Exactement le même que ici, regardez. C'est exactement la même chose. Sauf que là, nous allons faire le... Alors, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, nous avons un 13e rang, c'est-à-dire le rang ici qui est nouveau pour nous. Je vais mettre comme ceci. Voilà. Donc, je vous ai dit, vous répétez ces 6 rangs en comptant l'envers autant de fois que vous désirez, de façon à regarder, à obtenir la longueur que vous souhaitez. Il est très important de répéter ces 6 rangs. Vous ne pouvez pas vous arrêter au rang numéro 9. Il faut toujours aller jusqu'au rang numéro 11. Le 12e rang correspond à l'envers. Et vous reprenez au rang numéro 7 autant de fois que vous désirez. Moi, je vous ai dit, je l'ai fait 11 fois. Après, j'ai tricoté encore une fois le rang numéro 7. Le rang numéro 8, le rang numéro 9, le rang numéro 10, le rang numéro 11, le rang numéro 12, je suis sur l'envers. Et maintenant, je vais tricoter le dernier rang des tricopines. Le dernier rang pour notre point fantaisie, c'est toujours 3 mailles de bordure. Trois mailles de bordure. Une, deux, trois mailles de bordure. Un jeté. Deux mailles ensemble. C'est exactement, regardez, la même chose. Et maintenant, on va tricoter. Une, deux, trois. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Trois mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire trois mailles ensemble. On va prendre... Vous avez le choix entre glisser les deux mailles sans tricoter sur votre aiguille de droite. Vous tricotez la maille qui suit et les deux mailles que nous avons glissées sans tricoter, nous les faisons passer par-dessus. Maintenant, regardez, une fois que nous avons fait trois mailles ensemble, nous avons une, deux, trois mailles à l'endroit. Une, deux, trois mailles à l'endroit. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper les tricopines parce que regardez, vous voyez ici. Donc, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Nous allons faire une, deux, trois mailles à l'endroit et maintenant on va faire trois mailles ensemble. Vous pouvez très bien faire ces trois mailles ensemble comme ceci les tricopines. Regardez, vous les prenez ensemble et vous tricotez. Vous pouvez très bien faire la méthode du surjet double, c'est-à-dire regardez,
Vous glissez une maille sans tricoter, vous tricotez les deux mailles qui suivent et vous faites passer votre maille glissée par-dessus la maille obtenue. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. Vous choisissez celle qui vous semble le plus simple. Une, deux, trois mailles à l'endroit et on répète. Donc ça, c'est la partie que nous répétons. Regardez, la partie que nous répétons, c'est un jeté. Maintenant, nous sommes dans la partie répétitive. Une maille à l'endroit. Un jeté, quatre mailles à l'endroit. Une, deux, trois. Trois mailles à l'endroit, excusez-moi. Trois mailles à l'endroit. Trois mailles ensemble. Trois mailles à l'endroit. Un jeté. Je répète, une maille à l'endroit, un jeté, trois mailles à l'endroit et trois mailles ensemble. Donc moi je glisse deux mailles sans tricoter que je fais passer par-dessus la maille tricotée. Trois mailles à l'endroit, un jeté. Et je répète, un jeté, pardon, une maille à l'endroit, un jeté, trois mailles à l'endroit, trois mailles ensemble. Donc moi je vous ai dit que je glissais deux mailles sans tricoter, je tricote la maille suivante et je fais passer les deux mailles par-dessus. Mais ça n'a absolument pas d'importance les tricopines, vous faites comme vous avez envie parce que là c'est vraiment on termine, c'est notre dernier rang. Trois mailles à l'endroit, un jeté et je reprends, une maille à l'endroit, un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit et trois mailles ensemble. Trois mailles à l'endroit, un jeté. Et vous allez répéter ainsi jusqu'à ce que nous arrivions à, alors je vais vous dire, une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles de notre maille centrale. Une fois qu'il va nous rester 6 mailles au niveau de notre maille centrale, on va se retrouver, je vais vous montrer comment vous allez faire donc avant la maille centrale. Une fois que nous sommes arrivés à 6 mailles de notre maille centrale, donc nous allons faire une maille à l'endroit, un jeté, une, deux, trois mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté et on a notre maille centrale. Maintenant, nous faisons un jeté, deux mailles ensemble, trois mailles à l'endroit et un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté. Et maintenant, nous sommes dans la partie que nous répétons. Donc, une maille à l'endroit, un jeté, trois mailles à l'endroit, trois mailles ensemble, et je tricote trois mailles à l'endroit, un jeté. Je répète, une maille à l'endroit, un jeté, une, deux, trois mailles à l'endroit, trois mailles ensemble, trois mailles à l'endroit, un jeté. Et vous allez répéter, continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 9 mailles à la fin avec nos 3 mailles de bordure. Donc on doit avoir 9 mailles. Une fois que vous avez 9 mailles, on se retrouve et je vous montre comment on termine. Je suis à 9 mailles de bord, regardez, avec mes 3 mailles de bordure. Donc, maintenant, nous allons faire une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, 1 jeté et 3 mailles de bordure. Voilà.
nous avons terminé notre châle les tricopines. Donc vous pouvez le rallonger encore plus si vous désirez la partie dentelle. Si vous désirez le faire plus court, vous pouvez vous contenter de répéter donc 6 fois seulement cette partie. Voilà les tricopines, nous avons terminé. Sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, sauf mes 3 mailles de bordure. Mes 3 mailles de bordure de chaque côté, nous les tricotons comme ceci à l'endroit. Et tout le reste, on tricote à l'envers. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et une fois que vous allez être sur l'endroit, vous allez rabattre toutes vos mailles. Et nous avons terminé notre châle, les tricopines. Donc je termine et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Et je vous donne aussi les dimensions. Voilà les tricopines, notre châle est terminé. Voilà le point fantaisie que nous avons. Alors, j'ai 148 cm de largeur et entre 78 et 79 cm de hauteur. Voilà les tricopines. Donc, moi, je ne l'ai pas bloqué parce que je ne sais pas bloquer les châles. Moi, je repasse. Donc, je l'ai repassé. Si vous désirez le bloquer, donc il y a des vidéos qui expliquent très, très bien comment on bloque les châles. Alors, moi, j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. C'est une laine qui se tricote en 4. J'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Donc, si vous voulez le bloquer, n'hésitez pas à tricoter avec des aiguilles numéro 4,5. De façon à ce que ça soit assez souple et que vous puissiez tirer. Et pour bloquer, vous allez ici, regardez, bloquer à ce niveau-là, comme ceci. Ou alors, vous pouvez faire une feuille sur deux, vous bloquez comme ceci, vous tirez sur cette feuille, hop, vous épinglez, comme ça, il va prendre cette forme. Voilà les tricopines. Donc, j'ai utilisé à peu près 200-250 grammes de laine pour ce châle. Voilà les tricopines. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner les tricopines et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.